vraiment, moi, c'était vraiment la Tunisie qui m'intéressait au moment de postuler. Hein. Donc, surtout la musique, on va dire, africaine. Bon, la SADC, c'est plus la musique nord-africaine. On n'y est pas forcément confronté au conservatoire, parce que c'est rare qu'on ait des spécialistes sur ces musiques-là. Et moi, je suis toujours très très curieux de découvrir d'autres univers sonores. Et donc là, c'était une belle opportunité, surtout que je connaissais un petit peu les instruments tunisiens, bendir, derbouka. Et c'est une manière de jouer très très particulière. Donc c'était aussi cette occasion-là d'échanger avec des musiciens sur place pour revenir avec une boîte à outils encore plus grande dans ma palette sonore. Allant décider de me lancer dans la musique où j'allais aussi par plaisir. Et là, il faut respecter qu'on nous montre un style de musique qui est complètement nouveau pour nous, mais qui est très établi, écrit, et qui connaissent tous les différents rythmes. Donc j'ai essayé, sur le moment, d'apprendre, enfin de suivre ce qu'ils me disaient. Après, c'est toujours un petit peu difficile quand il faut répéter le geste, parce qu'en fait ils expliquent, Brahim, il a une manière d'enseigner qui est dans le geste. Et quand on sait pas, quand on a l'habitude peut-être d'écrire des lignes à la batterie, on m'enseigne juste des schémas. Tout d'un coup, avoir quelqu'un qui dit voilà, il faut faire ça et ça, et de l'appliquer instantanément, c'est assez compliqué, mais c'est bien. C'est du travail, mais c'est une bonne chose, parce que c'est une bonne manière. Et puis on s'habitue à apprendre comme ça, ça apporte quelque chose. Et puis de voir qu'on puisse tous se mêler ensemble en mêlant un peu les genres musicaux et que ça. Qui sont. Donc c'était. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. C'est toujours ça quand on joue de toute manière et ça c'est agréable. Premier jour, on a été accueillis au Centre des musiques arabes et méditerranéennes par le directeur et donc par une artiste locale qui est Iqbal Hamzaoui. Et donc on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire, quelles étaient nos attentes et tout ça. Et moi, c'est vrai que j'avais envie de rencontrer un petit peu des musiciens locaux pour justement partager, échanger nos traditions. Et donc, assez rapidement, Iqbal a appelé des musiciens, le directeur aussi, et puis on s'est dit, ah bah tiens, il y a telle personne qui est disponible à ce moment-là, et ben, on va aller les rencontrer. Et du coup, on est allé beaucoup à l'Institut supérieur de musique de Tunis. Alors que du coup, à Tunis, il y avait cette opportunité-là d'assister à des cours ou carrément des professeurs de manière bénévole et vraiment rafraîchissant, nous prenait comme ça avec Marie pour nous apprendre les rythmiques locales et les traditions d'ici. Et ensuite, le lendemain matin, on a rencontré Iqbal, donc la pianiste, le directeur du musée à Nice et son assistant, qui nous ont
fait une introduction à l'espace, donc au palais. Donc on nous a introduit à tout ça, on nous a fait écouter la musique. Il a pris un genre de musique qui est assez connu, le stambali, pour commencer. Et ensuite, Yagbal a commencé à passer des coups de téléphone et de voir comment on pouvait... On a réfléchi tous ensemble et comment on pouvait organiser la journée d'après et qui on pouvait rencontrer pour avoir une introduction à des instruments typiques. Et le lendemain, finalement, on est allé à l'Institut de musique à Tunis. Et on a rencontré le premier percussionniste, un de ses étudiants, qui nous a fait une démonstration. Donc ça, tous les jours, on a eu finalement des journées bien remplies, mais en même temps assez tranquilles le soir pour quand même se prendre conscience d'où on était, de ce qu'on est aussi être là pour nous-mêmes et pour un peu une recherche artistique et pour remettre un peu les idées en place sur tout toute l'information qu'on nous donne. On tient la baguette comme ça, ça va. On tient la baguette comme ça. C'est pas comme le tambour, c'est pas comme le tambour comme ça. Le tambour, on l'a dit comme ça. Mm-hmm. Mais pour la casquette, la position classique, utilisée beaucoup dans la musique classique, du jazz aussi. On la tient comme ça pour avoir les doigts et la main et les poignets plus libres. Pour pouvoir allonger la baguette. Plus. Oui, plus libre. Elle bouge beaucoup. Vous avez le mouvement. Très ouvert pour la technique. Mm-hmm. Et pour le croisement aussi. Oui. C'est quoi la position? Toutes ces personnalités qu'on a rencontrées, qui ont tellement envie de faire découvrir leur monde, leur univers, leur pratique musicale, mais aussi leur ville, leur quartier. C'était vraiment super. Souvent dans la musique, c'est comme ça. Les gens ont l'habitude de rencontrer d'autres gens et de partager. Il y a moins de compétition dans ces mondes-là. De toute façon, pour être musicien, il faut être curieux. Je pense que cette idée-là de curiosité, c'est essentiel. Donc, les gens avec qui j'ai travaillé, Brahim, qui est le professeur de percussion de l'Institut, et donc Hicham, ils sont aussi très, très curieux de savoir un petit peu quelles sont les traditions françaises, de comment on joue le tambour, comment on tient les baguettes, parce que c'est vrai qu'ils sont plus sur le rapport de la main, de la percussion, ce qu'on appelle digital. Donc, et du coup, c'est ça qui est super. Chacun amène sa pierre et on construit un édifice ensemble. Mais je pense que peut-être la tradition et ce qu'on nous a beaucoup montré, la musique traditionnelle tunisienne, elle vient des villages, elle vient des gens qui s'en servaient pour annoncer des célébrations, des mariages, des événements, et qui prenaient les instruments qu'ils faisaient eux à la main avec des... Bon, il y en a qui sont avec des pots et tout ça, et qui tapaient et qui allaient dans la rue. Et c'est comme ça qu'on annonçait les choses. Donc je pense qu'il y a ce... Ça fait partie peut-être de la culture ici de jouer la musique. Comme ça. Parce que quand ils jouent pendant des heures et des heures. Et après, il y a la transe, il y a toutes ces choses-là qui se passent dans ces musiques qu'on nous a montrées. Mais parce que c'est répétitif, mais ça s'accélère, et après ça dure. Le plus important, c'était la recherche de la sonorité. Et c'est tout un travail que je développais déjà. Et finalement, ça m'a conforté dans ce travail-là. Parce que le plus important, c'est ça, c'est vraiment le son.
C'est vrai qu'il y a peut-être trois endroits qui sont plus favorables ici à la création. C'est-à-dire, bon, moi je trouvais que l'hôtel ici, c'était très très bien pour ça. Et il y a la plage aussi, où avec le bruit de la mer, c'est toujours important. J'ai beaucoup marché aussi. Je suis descendue à la plage, j'ai la végétation, tout ça. Donc oui, après, le cadre est magnifique. Après, des fois pour la photo, c'est trop parce que c'est trop bleu ou trop la lumière est trop forte, mais on trouve toujours quelque chose de toute manière. Après, il y a toujours des histoires où on peut partir d'un détail. Et c'est le chemin de la plage, je pense, qui m'a le plus inspirée. Et puis la mer, parce que je viens de finir un projet de 2 ans qui est un livre, c'est que des photos du littoral et de la mer, surtout en Angleterre où je travaille. Donc je l'ai rencontré un petit peu. Et j'ai toujours essayé de photographier la mer d'un point de vue sans horizon, d'un point de vue où on ne sent pas trop la présence du photographe, où on est plus les pieds dedans. Et on voit, on a plus. Et à chaque fois, c'est différent. Donc j'ai trouvé ça aussi ici, parce que c'est. Et puis parce que le temps change, comme c'est dégagé, ça change énormément toute la journée aussi. Donc je suis descendue plusieurs fois par jour pour voir un peu ce que ça donnait. Je pense qu'il y a une routine aussi qui s'installe de marcher, d'aller à la mer et de chercher tous les jours et de dire, bon ben, peut-être aujourd'hui j'ai pas vraiment trouvé quelque chose, mais je vais y retourner parce qu'il y a plus de vent et de pouvoir juste le faire librement, ça aide, c'est plus intense. Donc, moi, je me rends bien compte en arrivant ici que ma tête, elle part dans tous les sens et que ça prend toujours un peu de temps. Et tout d'un coup, on se rend compte, ah, mais oui, mais on peut être calme, on peut juste. Il faut du temps. Enfin, mais je pense que c'est juste bon d'avoir du temps, d'être dans un endroit complètement différent et de recevoir des informations dans un contexte qui est différent et qui remet un peu tout en cause. Et c'est souvent comme ça que moi j'ai progressé dans ma pratique. Et sinon aussi au palais, voilà, avec ce cadre, cette vue sur toute la baie qui est assez magique. C'est très beau, c'est sûr que ça apporte beaucoup de plénitude et c'est vrai que c'est génial pour écrire, quoi. On peut s'y mettre et puis après c'est parti, quoi. On prend le crayon et voilà, je sais pas, peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose comme ça. Si on pense on prend le stylo et puis on s'y met et puis c'est parti. Voilà. Mais ça limite on verra au palais plus tard. J'ai surtout photographié les instruments et le display, les vitrines, comment c'était mis en place, parce que ça devient des couleurs, surtout que c'est assez sombre les galeries. Ça devient des couleurs, des formes, et je pense que ça. Souvent avec la photo, et j'utilise que des films négatifs, ça devient un peu autre chose, donc ça c'est intéressant. Après j'ai photographié beaucoup les jardins, parce qu'il y a, il y a énormément d'eucalyptus ici, ça a l'air d'être l'arbre. Et j'aime beaucoup photographier les plantes, donc ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de ça. Après le palais c'est plus dur parce que c'est assez esthétique, c'est très grandiose, et très propre et muséal, donc j'ai essayé de trouver des coins par exemple dans le sauna et tout ça, des choses plus sombres où c'est plus des lignes qui peuvent peut-être ouvrir dans la photo à un espace plus grand ou qui peut représenter quelque chose d'autre. Après il faut que je vois un peu les résultats. Mes photos, c'est souvent on se demande un peu ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses c'est un peu une cacophonie, on va dire, de choses, mais en même temps, quand on voit, il y a plein de petits détails et de choses qui s'entremêlent, et ça fait un espèce de puzzle comme ça, un peu visuel. C'est une chose que je fais aussi. Donc je compte souvent sur ça. Mais c'est assez souvent après, à l'œil nu, je ne me rends pas énormément compte. Et c'est quand je vois les résultats où j'arrive à voir qu'il se passe énormément de choses et que ça, c'est un peu un mystère pour moi.
va être une grande jam session, si on peut dire ça comme ça. Alors oui, on l'a préparé, puisque finalement, on retrouve tous les artistes qu'on a rencontrés, qui viennent comme ça, très, très naturellement. C'est ça qui est complètement dingue. Je sais, on a rencontré une dizaine de personnes, et puis ça arrange pour tous venir cet après-midi. Et donc, je pense qu'on va essayer de mettre en application et de mélanger un petit peu tout ce qu'on a vu avec chacun, des rituels un petit peu plus comme le Stambeli, qui est plutôt du sud de la Tunisie, ou des musiques plus du nord qu'on a travaillé plus hier avec Marine et Hicham. Et ça va être une belle rencontre. Et puis en mélangeant aussi un petit peu le côté, moi, ma manière de jouer européenne avec leur manière d'ici de jouer. Puis on verra bien ce que ça donne. Il y a aussi un côté surprise et de voilà, d'improvisation, voire de création sur le moment. On verra bien ce qui se passe, mais tout le monde est. Il n'y a que des formidables musiciens, donc forcément ça va être un beau moment. Un peu le chaos, mais à un moment donné ça se met ensemble et ça devient assez, quand ça devient musical et que ça devient beau, c'est assez spécial parce que c'est pas non plus prévu, on répète pas une composition et que c'est un peu un effort des gens qui tout d'un coup devient quelque chose et c'est toujours ça que moi j'aime bien dans l'improvisation. Et je pense que là, avec justement les rythmes et les percussions qui sont assez répétitives et c'est assez joyeux et du coup ça je pense que c'est propice à ça. C'est qu'en rentrant à l'hôtel, moi c'est souvent que du coup je réécrivais un petit peu les rythmiques qui m'avaient appris pour garder une trace, hein, parce que sinon on oublie vite. Donc c'était ça. Et puis à partir de là, j'ai commencé à écrire des petites pièces, comme ça, en reprenant leur rythmique, mais aussi en essayant de faire une sorte de fusion avec les traditions européennes, en me disant comment on peut utiliser leur sonorité du bendir sur une caisse claire ou sur les instruments sur la batterie. Comme moi, je me demande comment je vais ressentir le retour,
et ce qui va me rester, dans le sens, est-ce que je vais pouvoir reproduire la musique qu'on m'a apprise, mais c'est instinctivement ou pas, parce qu'il va falloir que je la révise, que je la revoie, et comment je vais pouvoir inclure ça dans... Parce que les groupes avec lesquels je joue à Londres, on fait un peu ce qu'on veut, mais c'est toujours assez basique dans le rythme, et comment je vais pouvoir appliquer ce que j'ai appris ici, les rythmes en citant et tout ça, dans ce que, et l'expliquer aux gens avec lesquels je joue, et voir si ça peut changer justement notre musique à nous. Donc du coup, il y a une petite pièce là, comme ça, que j'ai commencé à écrire. Là, c'est plus une pièce à vocation pédagogique, ça serait plus pour les élèves. On verra, soit elle sera jouée lors de la restitution. Vous savez que je me dis, si j'ai le temps de la finir, si on a le temps avec les élèves de la montée, ça serait la super occasion de pouvoir la jouer, en tout cas pour la première fois, cette occasion-là. Les percussionnistes tunisiens, ils connaissent vraiment très très bien l'histoire de leur pays, de telle tradition. Il y a une grande connaissance de l'histoire que nous, en France, on a un peu bradé d'histoire, nos origines, nos traditions. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'intéresserait bien de me dire, eh ben voilà, finalement, comment la percussion est jouée dans tel endroit de France, quelles sont les origines qu'ont abouti à cette tradition militaire, quoi. Il y a les traditions celtes, il y a les traditions provençales, il y a les traditions du rigodon, et finalement c'est quelque chose que nous on perçoit pas. D'ateliers d'impro ici, donc est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire la même chose une fois rentré à Vence? Là, je vais repartir avec énormément de choses à communiquer. Et je me dis à la fois pour moi en tant qu'interprète, à la fois aussi dans les œuvres que j'écris, mais aussi je vais pouvoir vraiment faire partager ça à mes élèves, quoi, en rentrant à Vence. Là, j'en ai pour très longtemps à profiter de cette expérience-là, et c'est super.